Eh oui, notre billet pour les États-Unis, nous l'avions, mais pas encore pour Los Angeles. Auparavant, il nous fallait disputer un premier tour éliminatoire qui se déroulait sur la côte Est, à Annapolis et Boston. Premier tour qui allait s'avérer difficile pour nos joueurs, car ils s'étaient présentés avec peu de matchs de préparation. D'ailleurs, cela allait se vérifier dès la première rencontre contre le Qatar 2-2. Heureusement, la victoire contre la Norvège 2-1 venait nous rassurer et nous permettait de prendre la tête du groupe. Ce qui était un de nos objectifs afin d'éviter l'Italie en quart de finale et avoir la possibilité de jouer à Los Angeles. Jouer à Los Angeles devait nous éviter des fatigues supplémentaires dû aux déplacements successifs, mais aussi et surtout, cela nous permettrait de participer pleinement à la fête, de vivre les jeux de l'intérieur, d'assister aux autres compétitions, de côtoyer les athlètes d'autres disciplines. Nous parvenions à nos fins en faisant match nul avec le Chili. Enfin, après avoir franchi l'Atlantique, nous pouvions traverser les États-Unis. Dès notre arrivée à Los Angeles, nous allions avoir la chance d'assister à la victoire de Carl Lewis ainsi qu'à la cérémonie protocolaire. Instant très émouvant où les frissons nous parcourent le corps, à partir de ce moment-là et plus encore qu'avant, nous voulions connaître nous aussi cette ivresse. Cela s'est passé la veille de notre victoire contre l'Égypte en quart de finale qui nous ouvrait la cour des grands, en compagnie de l'Italie, du Brésil et de la Yougoslavie. L'assurance d'une médaille, nous l'obtenions en demi-finale, tout en évitant une quatrième place la plus mauvaise, grâce à une victoire ô combien difficile, obtenue après prolongation contre la Yougoslavie. Il nous restait encore un obstacle à franchir pour atteindre notre rêve, et quel obstacle? Le Brésil.
Mais cette flamme qui animait nos joueurs n'allait pas s'éteindre. Bien au contraire, nos Olympiques français allaient nous faire vivre au Rose Bowl de Pasadena, devant 102 000 personnes, une soirée inoubliable. Une de ces tranches de vie qu'on ne peut remplacer. By number 15 of Flash, Daniel Sorev, coming in at 63rd minute. Nos joueurs, après deux ans d'efforts, remportaient une victoire historique. C'était la première fois que des sportifs français, en sport collectif, obtenaient une médaille, qui plus est d'or. Mais c'était aussi le premier sportif professionnel médaillé d'or des Jeux Olympiques modernes. Lorsque le drapeau français est enfin monté dans le ciel de Californie et que la Marseillaise a éclaté, nos joueurs avaient tout conquis. 12 rencontres sans défaite, la médaille d'or, la Californie, l'Amérique. Ils n'étaient plus sur le podium, mais bien sur le toit du monde. Fantastique, nous venions d'atteindre le bonheur suprême. Mesdames, messieurs, ici en France,